Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente un jeu qui est en développement, qui se nomme Slope, comme on le voit au fond, qui est un jeu de snowboard qui a la particularité de vous faire mettre les mains dans les chaussures, hein, c'est original, pour justement simuler le mouvement du snow. Donc là, vous voyez, je suis parti descendre. C'est bien réalisé, hein. Alors là, pour le coup, on peut pas dire que ce soit moche. C'est plutôt le maniement avec les mains qui fait que, voilà, on a un petit peu de mal au démarrage à comprendre le fonctionnement. Mais grosso modo, ça réagit bien. Alors, je voulais pas faire ça. Je voulais vraiment faire un... Alors, attendez, hop. Bon, bah là, j'ai encore foiré. Bon, faire les mouvements, vous voyez, c'est assez simple, hein. Je viens de faire un 360. C'est assez simple en soi, hein. Faut le faire avec les mains, quoi. Alors, c'est un jeu qui est en bêta. Donc, pour l'instant, il n'est pas complet, il n'est pas fini. Donc, je pense que... Je ne sais pas où en est le développement, s'il est à l'arrêt ou quoi, ou qu'est-ce. Mais c'est dommage parce que, bon, il y a de bonnes idées. Comment je pourrais dire? Le souci majeur, c'est qu'on a du mal à se faire à l'idée de que les mains sont les pieds. Alors, je sais pas comment j'ai fait de tour dans les... Hop. C'est pas mal fait, sinon. Hein. Vraiment, il y a de bonnes sensations. Voilà. On manie... Vous voyez, les pieds dans les boots, là, c'est vraiment bien fait. Malheureusement, il faut vraiment s'y faire. Voilà, je suis revenu au point de départ parce que c'est qu'une démo, parce que le jeu est en développement. Sinon, il y a de très bonnes idées. Alors, je pense qu'ils misent tout sur le maniement, mais vous voyez, encore une fois, alors, je trouve ça un peu particulier. Peut-être que c'est vrai qu'avec le temps, peut-être qu'on va s'y faire, mais le fait est qu'on a du mal à se repérer dans l'espace à cause des mains dans les pieds. Vous voyez ce que je veux dire, les mains aux pieds, les pieds aux mains, je sais. En fait, c'est un peu à vous faire perdre la tête, ça. Les pieds au mur, lol. Non, sans blague, le jeu est bien. Mais vous voyez, je sais pas comment on fait pour sauter, en fait. On va peut-être du pousser comme ça, non? Peut-être. Non, c'est bien fait, hein. Graphiquement, on a l'impression vraiment d'être dans la montagne. C'est pas le souci. Un distingue. Voilà. Bon, vous avez compris le délire avec ce soft. Moi, je l'aime bien, mais c'est clair qu'il est en comment on appelle ça. C'est juste une démo. Mais je vous conseille quand même de le tester parce que vraiment, c'est une démo. Mais c'est une démo qui faut voir s'il y a un suivi pour le comment on appelle ça, le développement du jeu ou pas. Voilà. Bon, écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser méditer sur le fait de jouer à un jeu de snowboard avec des mains. Est une bonne idée, un bon pari ou quoi au caisse. À vous de tester et me dire ce que vous en pensez aussi, parce que c'est vrai que c'est original quand même. Donc faut voir s'il y a des amateurs qui ont plus de facilité à manier le snow avec les mains plutôt qu'avec la tête et le corps, comme beaucoup de jeux de snow le proposent. Voilà, bah écoutez, moi sur ce je vous laisse, et puis je vous dis à une prochaine émission. Allez, salut tout le monde.